Wenge bouboulo, wenge, eh boubou. Oh, wenge, ne kafu. You got great on my way. Oh, my dog, you won't call down, Jim. Wenge bouboulo. Wenge kafu. God great on my way, my dog, you won't call on the tree. Grand Dieu, nous te disons merci. Nous sommes à tes pieds en ce moment. Nous voulons écouter au travers de toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous bénisses. Seigneur, nous voulons comprendre tes paroles. C'est pourquoi visite-nous en ce moment. Pardonne-nous de nos péchés. Donne-nous un esprit. Utilise son serviteur en ce moment. Pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Miawez on va dodo siam. Soyez les bienvenus. Miaga dogbera minti amoure hafi mia aye nou fiafiaji. Nous allons prier 10 minutes avant d'entamer l'enseignement. Que mia bieto mia ve pastor Scovi selon bobo ne va plomi. Nous allons demander notre élève pasteur de venir nous conduire dans la prière. Maoui rami. Que Dieu vous bénisse. Awete bobo. Awete kafu kokwito mawe mado unko deji wete bobo awete kafu kokwito mawu mado unko Dédi, ese mele agbeko, nye mawe, mado, unka, dédi. Awo wete bobo wete kafu kokwito mawu mado unko deti wete bobo wete kafu kokwito mawu Mado unka deji. Amarane to maure tile kapopo ya me. Quelqu'un loue l'Éternel en ce moment. Sa kafka funa maure kapopo ya. Donne la gloire à l'Éternel en ce moment. Elle avait hier de kete popo. Parce que c'est lui seul qui est digne de gloire. Elle a de kete kafka fu. C'est lui qui est digne de louange. Elle a ne mawo ti mau. C'est lui qui est le Dieu des dieux. Apo mawo katata. Il règne sur tous les dieux. Elle nous sort katato. C'est lui qui est le puissant. Elle a ne miama biwo takola. C'est lui qui veille sur nos vies. Et toi yolo ona ne clou à toi nous allez dedans. Ce qu'il fait pour nous, les œuvres sont tellement bon. C'est pourquoi ouvre ta bouche et dis merci à Dieu en ce moment. Adore-le en ce moment. Donne-lui l'honneur en ce moment. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un loue son Dieu. Que quelqu'un adore Dieu. Que quelqu'un loue son Dieu. Parce qu'il est bon pour nous. Ce qu'il fait pour nous, les choses sont bonnes. L'œuvre est tellement bon. Il est le Dieu de bénédiction. Nous ne pourrons pas compter ses œuvres. David a dit qu'il ne pourrait pas les compter. Sous toutes les choses qu'il a fait, les choses sont nombreuses. Ils sont tellement bons. C'est pourquoi Seigneur reçoit remerciement. Reçoit honneur pour tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes toujours. Éternité en éternité.
l'éternité. Toi seul, tu es Dieu. Tu as dit que tu es le Dieu de tous les humains. Et rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi. Et tous ceux qui espèrent en toi, la Bible dit, que tu les visites avec joie. Que tu les visites avec joie. Tu les bénis sur tous leurs chemins. C'est pourquoi Dieu visite quelqu'un avec joie ce midi. Sois joyeux envers l'Éternel. Sois joyeux envers Dieu. Loutons Dieu en ce moment. Dis-lui merci. Bénis son nom. Adore-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans si Jésus wa doano. Dede dans so Jésus wa doano. Oh, et dans so Jésus wa doano. Oh, dede dans so Jésus wa doano. Oh, doano. Doano. Dede dans so Jésus wa Doano, aye, Doano, Doano, dere doso Yesu wa, Doano, hallelujah, e doso Yesu wa, Doano, yeah, dere doso Yesu wa, Doano, mebena, e doso Yesu wa, Doano, oh, dere doso Yesu wa, Doano. Oh, Doano, Doano, Dere Doso Yesu wa, Doano, Hallelujah, Doano, Doano, Dere Doso Yesu wa, Doano. Les gars, pour prier, Mika, les tato, Peda. En ce moment, nous allons encore prier. Aye, miakbe maou. Et nous allons invoquer Dieu. Qu'il vienne régner au milieu de nous. Qu'il vienne faire son œuvre en ce midi. Que son esprit seul agit au milieu de nous. Qu'il utilise son serviteur. Qu'il utilise son serviteur. Pour parler au travers de lui. Enfin que quelqu'un écoute sa voix. Parce qu'il continue par parler. Et il parlera par une personne. C'est pourquoi son serviteur qu'il a choisi. Qu'il parle au travers de lui ce midi. Qu'il agit au travers de lui ce midi. Qu'il fait son œuvre. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous t'invitons. Viens descendre au milieu de nous. Viens faire ton œuvre. Viens agir. Esprit de Dieu. Ton serviteur en tes mains. La puissance de Dieu. Utilise-lui. Utilise-le. Saint-Esprit, utilise-le. Utilise ton serviteur. Pour parler à quelqu'un ce midi. Au nom puissant de Jésus. Que tes paroles cachées se révèlent. Que tes mystères se révèlent. Des choses qui sont cachées en toi. Des richesses cachées en toi. Que tu as arrangé pour nous. Révèle-les ce midi. 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 Au travers ton serviteur. Au travers ton serviteur. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous sommes en tes mains. Va pour nous. Viens parler. Va descendre. Viens agir. Va faire ton œuvre. Va faire ton œuvre. Va faire ton œuvre. Va descendre. Viens agir. 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 Papa Kaku. Saint-Esprit. Kamiasu. Le temps, le moment. Tu colles à nous. Espère en toi maintenant. Oh, la puissance de Dieu est au milieu de nous. Il parlera à une femme. Il parlera à un homme. En ce temple. Quelqu'un est là. Quelqu'un en ligne nous écoute. À la radio. Esprit de Dieu te parlera. Ouvre ton cœur à lui. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à Dieu en ce moment. Il est prêt. Pour te parler. Si Dieu te parle,
tu seras guéri. Si Dieu te parle, tu seras guéri. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Pourquoi ouvre-lui ton cœur? Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Elle a nous promis là. Il parle. Elle est là pour nous. Il va parler. Ben essaye maintenant. Afin que tu puisses écouter le sa voix. Christ ben comme. Au nom de Jésus Christ. Bon, si bon. Tout esprit. Et que nous n'avons pas invité. Et va finalement ben aller bien. Et qui vient voler la parole de Dieu en nous. En ce midi, nous les ordonnons. Nous détruisons leur œuvre. Nous détruisons leur œuvre. Que la parole sorte avec feu. Que la parole sorte avec vie. Que la parole sorte avec feu. Pour qu'il consume. Qu'il brise. Qu'il brise. Que la parole ferait un chemin. Que la parole montre à quelqu'un quelque chose, ce qu'il doit faire. Et lui, on a quelque chose que la personne doit faire à Dieu. Et la parole nous le montre en Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi ce midi, tout esprit impur qui ont reçu une mission en ce midi, au nom de Jésus, leurs œuvres sont détruites. Leurs œuvres sont détruites. Vous ne pouvez pas dominer la parole. Vous n'allez pas dominer la parole. Vous n'allez pas dominer le serviteur. Parce que lui-même, il est le feu. Le serviteur est le feu. Et la parole sort avec feu. Pour que la parole consume tout esprit, toute puissance. Ils sont contre la parole. Au nom de Jésus Christ. Grand Dieu, nous te bénissons. Parce que tu es au milieu de nous. Tu as commencé ton œuvre. Tu la continues. Et tu l'achèveras. En fait, qu'à la fin, nous te donnons la gloire. Au nom de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons donner la parole à notre pasteur Anani Kojovi Gaston. Alléluia. Amen. Voilà, merci. Nous sommes avec la Bible cet après-midi. C'est en sondant les Écritures que nous gagnons de la sagesse. Et nous devenons forts en suivant l'Éternel avec fermeté. Nous prions, c'est bien. Mais il faut aussi sonder les Écritures. Les deux activités vont de pair. Afin de nous assurer l'équilibre. Donc, bienvenue cet après-midi. Vous qui êtes en distanciel avec nous, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en présentiel aussi, vous êtes bénis. Et partagez les liens avec vos semblables. Et Facebook Adé Galilée. Facebook Miapo Adé Galilée. Ou YouTube Assemblée de Dieu Agoué Assiyeye. Les YouTube dit Assemblée de Dieu Agoué Assiyeye. Vous qui êtes branchés à la radio de l'Évangile. Miaoui Kedonato Radio Évangile. Et vous êtes sur 100.7 à Lomé ou 104.1 à Agou. Mille 100.7 les Lomé, il y a 104.1 les Agou. Donc, invitez vos amis à vous suivre. Et ce contact avec la parole de Dieu leur fera du bien. Alors, c'est notre pasteur Sosou Dossé qui va conduire l'étude biblique de ce programme. Pasteur Sosou Dossé est là pour et bébé Bible à nous son père. Le thème a été publié. Pourquoi adorer le Christ? Y a-t-il des raisons? Nos raisons de courir après le Christ sont-elles validées par la Bible? Donc,
Donc, à travers l'étude biblique de cet après-midi, nous allons comprendre beaucoup de vérités et afin d'arriver à nous auto-évaluer et puis maintenir l'équilibre dans notre adoration. Donc, pasteur, que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment. Ce moment de partage de la parole de Dieu. Des moments d'édification dans la Bible. Et je remercie le pasteur principal pour l'opportunité d'enseigner. Merci à vous tous qui nous écoutez en ce moment. Que ce soit dans la chapelle, que ce soit en ligne, ou à la radio. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que cette séance sera une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Pourquoi adorer le Christ? Nous avons un texte de base. 1 Jean chapitre 5. Johannes les versets 10 à 15. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. Johannes Pagbalegban. C'est-à-dire la première épître de Jean, chapitre 5, versets 10 à 15. La Bible dit : celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Mais le coucou mien, c'est nous rendons le vœu que mien le tour est mouillé. Après tout, naïra mien pour nous cesser. Johannes pa agbanlegbanto eta ton pipi ewolia tsoyi we atonlia emenya le gbogbon ben amesi ke khoama u vila disenala e ya po da sedidi siale edokume amesi ke me khoama u disena ola e ya doma u avatukale elabena me khoda se si mawu dile evia untila dise o eye da sedidi la enye sibena mauna agbe mavo mi eye agbe sia le via me amesi si vila le la agbele esi ke amesi si mau pe vila me le ola agbe me le esi o nu siawo menglona mi amesi o kwa mawu pe nkwa di sena la benea mia jesi be akbe ma vole mia si. Amen. Amen. Kekleme wine lia kle we aton lia eye dide po si le mia si le ekbo la enye esi bena ne mie bia nane le epe lolo nu la ado tomi eye ne mie nye bena et nous atomi le nousia nousike nye bie mela ekema nye nye bena nye kwa nousio nye biato ekbola. Amen. 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 Grand merci au pasteur principal pour la lecture en éveil. Pourquoi adorer le Christ?
Nos objectifs dans cet exposé, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres sur la vraie raison de l'adoration de Christ. La vraie raison qui doit nous pousser à adorer Christ. Et pour deuxième objectif, si quelqu'un a déjà posé un autre fondement, si quelqu'un s'est déjà fixé un autre objectif, alors, la personne doit pouvoir identifier cela et se repositionner en Christ. Amen. Amen. Je sais que quand nous faisons des choses dans la vie, nous avons nos raisons. Nous avons le pourquoi nous faisons les choses. Quand quelqu'un apprend un métier, si tu lui poses la question, pourquoi tu apprends ce métier, la personne te donnera ses raisons. Si quelqu'un continue des études supérieures, et tu lui poses la question, pourquoi tu fais ça, il te donnera ses raisons. Mais en Christ, nous sommes en Christ. Pourquoi sommes-nous en Christ? Qu'est-ce qui nous pousse à adorer Christ? L'exposé nous donnera la réponse. Nous avons lu dans l'épître, la première épître de Jean. C'est un livre écrit par l'apôtre Jean. Et il a abordé beaucoup de sujets dans ce petit livre. Il a parlé de comment marcher dans la lumière, comment marcher dans l'amour fraternel. Et Jean nous a également interpellé à nous détacher du monde. Il a aussi abordé le sujet des antichrists, de ceux qui sont contre Christ. Il a également parlé des faux docteurs, c'est-à-dire de faux enseignements qui vont arriver. Quand vous continuez par lire l'épître, il a aussi bien souligné que Dieu est amour. Et combien nous devons marcher dans l'amour. Mais avant de terminer la lettre, il a également parlé de notre foi en Jésus. Nous adorons Jésus. Et les retombées de notre engagement envers Jésus. Voilà de façon ramassée les sujets qu'a discuté Jean dans son épître. Mais notre question demeure. Pourquoi adorer le Christ? Cette question est une question élémentaire. Et une question fondamentale, élémentaire. Mais je rappelle que c'est une question capitale. C'est fondamental ou élémentaire. Mais elle reste très capitale. S'il fallait promener le micro pour recueillir les interventions des uns et des autres, nous allons comprendre que chacun donnera ses objectifs ou ses raisons, ou bien les raisons qui l'ont poussé à adorer Christ. Pour preuve, quand nous entretenons les néophytes, ceux qui viennent de recevoir Christ,
Nous et nous posons la question, est-ce que vous êtes sauvés? Ils répondent oui. Mais comment tu sais que tu es sauvé? C'est quoi le salut là? Vous allez écouter beaucoup de réponses. Certains diront, j'étais malade, je suis guéri maintenant, donc j'ai le salut. D'autres diront, j'étais en retard, mais on m'a dit en Jésus, je vais rattraper mon retard, c'est pourquoi je sais que je suis sauvé. Il y a même quelqu'un qui a répondu, il dit, pasteur, le fait que je respire, je sais que je suis sauvé. Wow. Mais nous allons répondre à cette question selon ce que la Bible enseigne. Pourquoi adorer le Christ? Est-ce pour avoir une guérison? Nous adorons Christ pour avoir les miracles. Est-ce que j'adore Christ pour avoir une percée quelconque? La bonne vie, le mariage et les enfants. Moi, je me suis engagé avec Christ pour qu'il assure ma protection. Les bénédictions de tout genre. Pourquoi adorons-nous le Christ? Et je sais que je vois par le passage que Jean nous a donné une réponse claire et directe. Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Dont parle le verset 11. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il dit dans le verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, pourquoi adorer le Christ? Jean nous donne une réponse ici. Il dit, c'est pour la vie éternelle. Oui, c'est pour la vie éternelle. Mais ce n'est pas fini là-bas. Nous aurons des bagarres dans l'enseignement. La finalité, c'est bien la vie éternelle. C'est ça notre objectif. En adorant Christ. Alors, c'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Si Jean, dans ces trois versets, parle de la vie éternelle que Dieu nous a donnée ou bien que Dieu nous donne par Jésus, alors c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une expression que nous voyons dans la Bible. Nous venons de le voir dans 1 Jean chapitre 5. Et cette expression apparaît plus de 44 fois dans la Bible. Dont un dans l'Ancien Testament. Dans Daniel chapitre 12, verset 2. Le Daniel pas balet
Daniel, dans sa vision, dit certains vont ressusciter pour la vie éternelle, d'autres pour le jugement éternel. Daniel globena amedola wa tititre ke aide agbemavom eye amero ya wa ide tomavom. Et c'est une expression très courante dans le Nouveau Testament. Eye nya gboglode ike bole mbabla ye yame. Par la vie éternelle, to agbemavotila, on désigne une nouvelle vie. Nous désignons la vie communiquée par Dieu à celui qui croit à son Fils. La vie que Dieu nous a donnée, Dieu nous a donnée par son Fils Jésus. Parce que la Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est selon Jean 3, verset 36. Chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, le pourquoi nous devons adorer Christ, Jean nous a donné la réponse, c'est pour la vie éternelle. Et nous sommes en train d'expliquer la vie éternelle en disant que c'est la nouvelle vie. C'est la vie que Dieu nous a communiquée par son Fils Jésus. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Selon Jean 17, verset 3. Johannes, je reprends le verset là, Jean 17, verset 3. Johannes, lui, André, coupe, lui, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est également le futur des rachetés, des chrétiens. C'est la demeure de Dieu. C'est la félicité éternelle. C'est le royaume où Dieu règne. La vie éternelle, c'est le salut de nos âmes. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la vie éternelle, nous parlons du salut de notre âme. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux. C'est notre destinée éternelle. Ah, pourquoi adorer Christ? C'est pour la vie éternelle. C'est pour notre destinée éternelle. C'est pour le règne éternel avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons, nous ne savons pas quel autre objectif nous avons, nous nous sommes fixés en adorant Christ. Mais la vie éternelle demeure l'objectif. Demeure l'objectif. La vie éternelle demeure la raison. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu. C'est la vie que Dieu nous communique. Alléluia. Amen. Donc nous revenons dans 1 Jean chapitre 5. Qui donne la vie éternelle? Jean répondit à cette question. C'est Dieu. C'est un don de Dieu.
Parce que la vie éternelle ne s'achète pas à prix d'argent. C'est Dieu qui donne. Dis, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Pas que Dieu nous a vendu la vie éternelle. On n'achète pas la vie éternelle. Donc, ceux qui nous suivent en ce moment doivent comprendre que la vie éternelle vient de Dieu. Et c'est un don de Dieu. Tu n'as pas besoin de payer pour cela. Il y a deux jours, je suivais une mise en scène à la télé. Sur YouTube. YouTube dit. Il y a un monsieur qui avait son épouse. L'épouse était chrétienne. Je rappelle que c'est une mise en scène. Et la femme prêchait toujours à son mari. Ah, mon mari, rejoins-moi, on va aller à l'église. Mais le monsieur dit toujours, je n'irai pas. Un jour, Bereka, la femme était sortie pour ses courses. Et ce monsieur fut visité par un faux pasteur. Un faux évangéliste est venu dans la maison. Il avait son costume. Et il avait une grosse Bible dans la main. Et il a commencé par prêcher l'évangile à ce monsieur. Il dit, monsieur, la Bible dit, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a aimé, il a sacrifié son fils. Et le monsieur suivait avec attention. En un moment, le prédicateur dit au monsieur, si Dieu a sacrifié son enfant, si Dieu a sacrifié son enfant, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons la vie éternelle. Et le monsieur le regardait seulement. Et le prédicateur, j'ai dit bien qu'il est un faux évangéliste. Il dit au monsieur, c'est la vie éternelle que tu gagnes. Une fois que tu m'as vu dans ta maison, c'est que tu es déjà au ciel. Mais il y a un secret. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Que ce que tu vas faire pour aller dans la vie éternelle, tu vas payer pour le visa. Visa. Tu vas donner l'argent pour le visa. Il a tout fait des visas. Et quand tu vas payer le visa, tu iras au ciel. Et le monsieur lui dit, que lui ne savait pas qu'il faut payer un visa pour aller au ciel. L'évangéliste dit, oui, il y a le secret. Si tu donnes l'argent maintenant, je vais aller faire un visa pour toi. Et tu vas aller au ciel. Donc toi, rentre dans la chambre. Tout ce que tu trouves là-bas, toi-même tu sais, pour aller aux États-Unis, aux États-Unis à côté ici, l'argent qu'il faut dépenser pour le visa. Mais ici, là, nous parlons du ciel. Donc, il faut envoyer beaucoup d'argent. Le monsieur est rentré. Il a pris l'argent. Oh, l'argent n'était pas aussi son argent. C'était l'argent de sa femme. Il est venu donner l'argent à l'évangéliste. L'évangéliste a vu l'argent. Il dit, oh, la terre, hein, c'est compliqué. Hein. Pour un visa pour le ciel, c'est tout ce que tu as envoyé. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas mettre ça dans la poche. Hein. Je vais mettre ça dans la Bible pour que Dieu prenne ça directement. Oh, c'était du mensonge. Et il est parti. Il dit, commencez même pas à prêter vos bagages. Le visa va venir, on va aller au ciel. Et quand l'évangéliste est parti, le monsieur dansait, chantait. Ah, je vais aller au ciel. Et sa femme est de retour. Mon mari,
C'est quoi et tu danses de joie comme ça? Il dit, nous allons aller au ciel. Je viens de donner l'argent pour le visa. Oh, et la femme dit, mais... Et nous sommes la globe. Quand est-ce que toi tu as appris qu'il faut donner l'argent pour un visa pour aller au ciel? Et dit, c'est le pasteur qui l'a dit. Quel pasteur? Il dit, ce pasteur qui était venu avec son costume et avec sa grosse Bible, je sais qu'il peut faire un visa pour le ciel. Donc, ton argent qui est dans le portefeuille, je lui ai remis l'argent là et il est parti faire notre visa. Et la femme lui dit, l'argent là, c'est un prêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu t'es fait voler, hein? Et monsieur dit, il n'y a pas de problème, on va aller au ciel. Quand le créancier va venir, il va nous retrouver au ciel pour prendre son argent là-bas. Qu'est-ce que nous voulons dire dans tout ceci? On n'achète pas la vie éternelle à prix d'argent. Il n'y a pas de visa, tu vas aller ou bien tu vas aller déposer ton passeport comme dans les ambassades terrestres pour avoir le visa. C'est un don gratuit de Dieu. Ce monsieur dans notre histoire, dans notre mise en scène, s'est fait voler comme ça. La vie éternelle est un don de Dieu. Aucun homme ne peut la donner. L'argent ne peut jamais payer la vie éternelle. Et nous trouvons la vie éternelle où? La vie éternelle est en Jésus. Le verset 11 précise bien. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Pas en quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous suivons Christ. Parce que c'est lui qui détient la vie éternelle. Dieu a mis la vie éternelle en Christ. Pas en quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un nous suit en ce moment, et que toi tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais attention. Attention. Le verset 12 souligne quelque chose. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Qu'est-ce que le verset 12 souligne? Tu ne peux jamais flotter entre deux eaux. En matière de vie éternelle, soit tu as la vie éternelle, soit tu ne l'as pas. Tu ne peux pas rester au milieu. Tu ne peux pas être en ballotage. Tu ne peux pas flotter. Jean précise, tu as la vie en acceptant Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Un point, un trait. Cela veut clairement aussi enseigner que quelqu'un qui avait la vie éternelle, quand il va arrêter de croire en Jésus, il perd la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, aussi longtemps que tu as le Fils dans ton cœur, tu as la vie éternelle. Mais quand tu rejettes le Fils de Dieu, Jésus-Christ, tu perds la vie éternelle. Je le répète, tu perds la vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle, c'est en Jésus. Je continue avec vous.
en parlant de d'autres vérités à saisir autour de la vie éternelle. D'autres vérités autour de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un concept que nous devons bien comprendre. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher en adorant Christ? Jean répond, la vie éternelle. Mais il faut bien comprendre le concept de la vie éternelle. Parce que quand nous ratons la compréhension, nous aurons tout raté. La vie, c'est ce que je suis venu chercher. Pas autre chose. Je suis venu chercher la vie éternelle. Et quand je reçois Christ, la vie éternelle commence le jour-là. Personne ne va pas attendre sa mort pour commencer la vie éternelle. Quand tu acceptes Christ, automatiquement, tu es candidat de la vie éternelle. Cette vie commence en toi. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Donc, tu dois bien comprendre ce concept. C'est ce que nous sommes venus chercher en adorant Christ. Pas les guérisons. Pas les miracles. Pas la bonne vie. Pas les percées. Mais je suis autour bien auprès de Christ pour la vie éternelle. Mais le Christ on dit ben amakbo akbe mavo. Écoutez. Misé. En évangélisant quelqu'un, nous devons également veiller pour bien poser ce fondement. Peut-être la personne ne va pas comprendre grand-chose. Mais à nous qui sommes déjà en Christ, nous devons veiller à bien poser ce fondement. Parce que quelqu'un te dira, j'étais malade, les chrétiens sont venus prier pour moi, ma santé est restaurée, donc je sais que j'ai la vie éternelle. J'ai aussi appris qu'avec Christ, tu es protégé contre les sorciers. Toi, ancien chrétien, tu dois bien recadrer la personne pour dire, c'est pour la vie éternelle que nous suivons Jésus. Amen. Amen. Nous devons bien veiller poser ce fondement aux néophytes. Quand nous partons en évangélisation, c'est pour la vie éternelle que nous prêchons Christ. Pas les guérisons d'abord. Pas les miracles d'abord. Mais c'est pour la vie éternelle. C'est pourquoi je répète que nous devons bien comprendre le concept. Parce que rien n'est comparable à la vie éternelle. Rien ne peut remplacer la vie éternelle. La bonne vie ne peut jamais remplacer la vie éternelle. Les miracles ne peuvent remplacer la vie éternelle. Avoir un mari ou une femme ne peut jamais remplacer la vie éternelle. Le chrétien ne doit pas renverser les tendances. Jean dit, Dieu a donné un témoignage. Et quand vous croyez au Fils de Dieu, vous savez la vie éternelle. Pas les guérisons, pas les miracles, pas les percées, mais la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui-même en a parlé plusieurs fois. Directement ou indirectement. Dans Marc chapitre 8. À partir du verset 35.
Marc chapitre 8. Marco Pag Baleta Enilia. Verset 35. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, Jésus parle du salut de l'âme. Et dans notre définition de la vie éternelle, nous avions dit la vie éternelle, c'est le salut de notre âme. Donc Jésus parle indirectement de la vie éternelle. Et il montre que rien ne peut remplacer la vie éternelle. Dit que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de la vie éternelle? Rien. Rien ne peut remplacer la vie éternelle. Rien ne peut prendre sa place. La Bible enseigne également qu'un jour, un jeune homme riche s'est approché de Jésus. Et il posait la question à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, il y a les lois, tu les connais. Et Jésus a commencé par réciter. Le jeune homme de dire, je suis un obéi, j'obéis à ces lois déjà. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu peux voir la, si tu veux voir la vie éternelle, va vendre tout ce que tu as. Mais distribue-les. Et viens me suivre. Et la Bible dit, nous sommes dans Matthieu 19, verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. L'angle que moi je veux prendre ici, Jésus est en train de comparer de grands biens à la vie éternelle. Et ce jeune homme a opté pour de grands biens. Mais Jésus dit, les grands biens ne peuvent pas remplacer la vie éternelle. Amen. Amen. De grandes richesses ne sont pas comparables à la vie éternelle. Donc je veux dire à quelqu'un en ce moment, quel est ton statut dans la société? Quel est le titre que tu portes dans la société? Es-tu un riche? Es-tu un pauvre? Es-tu un honorable? Es-tu un directeur? Un cadre? Un nom ou une femme d'affaires? C'est bien. Mais ces choses ne peuvent jamais prendre la place de la vie éternelle. Ne peuvent aucunement être comparés à la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons comprendre ce concept. La vie éternelle, c'est également une mentalité à adopter. Nous ne devons jamais oublier la vie éternelle. Des fois, c'est comme le chrétien s'oublie un peu. C'est comme
nous oublions le pourquoi nous adorons Christ. Et toi qui nous suis en ce moment, si tu as peut-être oublié, nous venons te faire ce rappel. C'est pour la vie éternelle que tu suis Christ. Et c'est une mentalité que tu dois adopter. Chaque jour, tu dois avoir une telle mentalité. De jour comme de nuit. À la maison comme dans un voyage. La vie éternelle. Et tout ce que nous traversons ici-bas, nous devons veiller que ces choses ne nous projettent pas hors de la vie éternelle. Nous ne devons jamais oublier la vie éternelle. Dans nos courses effrénées, effrénées de gagner les biens de ce monde, nous ne devons pas oublier la vie éternelle. C'est pourquoi je dis, c'est une mentalité que nous devons adopter. Nous devons toujours penser à cela. Et Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien-aimés, nous sommes appelés à la vie éternelle. Et nous ne devons pas oublier cela. Quel que soit ce qui se passe ici-bas. Quel que soit ce que nous traversons, adoptons cette mentalité. La vie éternelle. La vie éternelle. Si je trouve à manger, la vie éternelle. Si je ne trouve rien à manger, la vie éternelle. Adopte la mentalité là. Pense à cette mentalité. Cultive cette mentalité. Marche dedans. Que rien ne te pousse hors de la vie éternelle. Paul déclare ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Et quel est le but? La vie éternelle. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Regardez encore la précision. Ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, c'est ça la vie éternelle. Je cours vers la vie éternelle. Et il dira plus tard, mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Amen. Adopte cette mentalité. Cultive cette mentalité. Pense à la vie éternelle. Parce que c'est le pourquoi nous suivons Jésus. C'est le pourquoi nous adorons Jésus. C'est l'objectif. Voilà l'objectif. Voilà la raison. Et nous devons développer cette mentalité. Même si nous traversons des moments difficiles, nous ne devons jamais perdre de vue la vie éternelle. Rappelez-vous de nos devanciers.
La Bible déclare, certains n'ont jamais eu l'accomplissement de leurs promesses. Ils n'ont jamais eu l'accomplissement des promesses. Mais ces personnes avaient en idée la vie éternelle. Lisez un peu Hébreux chapitre 11. Vers la fin du chapitre, tu vas comprendre que il y a des hommes, il y avait eu des femmes qui n'ont jamais eu les accomplissements des promesses, mais ils n'ont jamais perdu espoir parce qu'ils savaient qu'il y a une cité qui nous attend, qu'il y a une destinée qui nous attend. C'est bien la vie éternel. Donc, à un chrétien qui nous suit en ce moment, n'oublie pas le pourquoi tu es en Christ. Ne deviens pas trop riche pour oublier la vie éternelle. Ne sois pas trop pauvre pour oublier la vie éternelle. Que ton statut social ne fasse pas que tu oublies la vie éternelle. Le titre que tu portes aujourd'hui ne doit aucunement te faire oublier la vie éternelle. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Mais je pose une autre question ici. Quel est le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui? Voilà l'objectif qu'on nous a donné. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est comme si nous adorons Christ pour la guérison. Nous adorons Christ pour avoir les miracles. Nous adorons Christ pour avoir les percées de la vie. Nous adorons Christ pour avoir la bonne vie ici-bas. Nous adorons Christ pour avoir un mariage en Christ. Nous adorons Christ pour avoir des enfants. Nous adorons Christ pour qu'à notre mort, que les chrétiens nous enterrent. Nous adorons Christ pour qu'il assure notre protection. Nous adorons Christ pour avoir des bénédictions de tout genre. Est-ce mauvais? Cela veut-il dire que nous n'avons pas ces choses en Christ? Cela voudrait-il dire que Jésus ne donne pas tout cela? Alléluia. Amen. Parce que Jean dit, Johannes Blobé, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons la guérison, il nous écoute. Si nous réclamons des percées, il nous écoute. Si je veux des enfants, il m'écoute. Si je veux de l'argent, il m'écoute. Et si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Où est le problème alors? Si Jean nous dit qu'il faut prier puis recevoir, bien-aimés, écoutez. Certes, ce sont des bénédictions que Dieu nous accorde, mais cela n'est pas et ne doit pas être l'objectif pour lequel nous adorons Christ. C'est bien vrai que Christ accorde les guérisons. Puisque nous avons prié pour des malades, ils sont guéris. Nous sommes témoins oculaires. Christ donne la bonne vie également. Mais je répète, cela ne doit aucunement être l'objectif pour lequel nous adorons Christ. Et si amedola nyeta do dinu ke le plomi le nabe mi le plo Christo do. C'est clair avec l'exposé de Jean. Et
La vie éternelle. Et après la vie éternelle, Dieu te donne des bonus. Mais écoutez aujourd'hui, nous sommes à la quête de ces bonus. La guérison, la bonne vie, la promotion. Et nous oublions l'essentiel. Et nous laissons de côté la vie éternelle. La triste réalité, c'est bien clair que l'homme ne veut pas servir Christ. Mais plutôt veut se servir de Christ. Il y a ton vie de tout Christ au Christ bon. C'est la triste réalité. Et à ce rythme, des jours viendront et nous aurons tout ce dont nous avons besoin, mais nous n'aurons pas Dieu. C'est un danger. Seigneur, donne-moi un véhicule. Seigneur, une maison. Seigneur, une femme. Seigneur, des enfants. Des jours vont venir. Nous aurons ces choses. Mais nous n'aurons pas Dieu. Alors, nous aurons tout raté. Rappelez-vous de la question de Jésus. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu donne ses bénédictions. Nous n'allons pas dire le contraire. Jean atteste. Si nous prions à Dieu, il nous exauce. Il répond. Mais ce n'est pas le pourquoi nous adorons Christ. Un jeune homme qui nous suit en ce moment. Une jeune fille qui nous suit en ce moment. Recadre ton objectif en adorant Christ. Si nous gagnons toutes ces bénédictions sans gagner la vie éternelle, nous avons couru en vain. Nous avons tout raté alors. Si c'est la vie éternelle seule que tu gagnes et que tu ne gagnes rien d'autre, alors tu as tout gagné. Je dis, si la vie éternelle est la seule chose que tu as gagnée, sans pour autant gagner quoi que ce soit ici-bas, alors tu as tout gagné. Mais si tu as gagné tous les biens terrestres sans la vie éternelle, tu n'as rien gagné. La preuve est simple. Le jour où tu vas mourir, tu ne vas rien emporter. Les maisons vont rester. Les bœufs vont rester. Les voitures de luxe vont rester. C'est pourquoi recadrons notre objectif en adorant Christ. Le passage alors montre ce qu'il faut faire. Jean 5 toujours montre ce qu'il faut faire. La vie éternelle d'abord. C'est pourquoi Jean a commencé par là. La vie éternelle d'abord. Et ensuite, nous pourrons librement demander ce que nous voulons. Selon le verset 14 et 15. Et ceci rejoint les déclarations de Jésus. Dans Matthieu 6:33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire le manger, le boire, la bonne vie. Ce sont des bonus que Dieu va donner. Mais la vie éternelle demeure la seule raison, le seul objectif pour lequel nous adorons le Christ. Amen. Et nous Jean dit,
Johannes Blobel. Quand vous avez la vie éternelle, vous êtes libre. Mifo. Demandez. Mibia. Et il va vous exaucer. Wanami. Il va donner. Et la nami. Ne courons pas pour aller demander seulement le bonus. Quand tu pars peut-être acheter quelque chose au marché, tu n'attends pas seulement le bonus, mais c'est l'essentiel qui te préoccupe d'abord. Tu ne vas pas aller dire à celui qui vend, je veux le bonus, garde l'essentiel. Ce n'est jamais possible. Mais aujourd'hui, nous courons d'après les bonus. Et nous laissons l'essentiel. Que quelqu'un renverse les tendances maintenant. Il ne faut pas mettre le bonus à la place de l'essentiel. Mais l'essentiel à sa place. Et le bonus, quand nous allons prier le Père, il va nous le donner. Même toi qui te dis, moi je suis en Christ, rien ne change dans ma vie, je vais abandonner l'église, je vais retourner. Tu n'as rien compris alors. Tu es en Christ pour la vie éternelle et Dieu va te donner le bonus. C'est l'appel que nous lançons ce jour. D'ailleurs, le verset 14 dit quelque chose. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il y a une expression là, selon sa volonté. Mais c'est un débat que je ne vais pas ouvrir. Même avec les bonus que nous gagnons, les bonus doivent être selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les bonus doivent être selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut gagner tout comme on ne peut rien gagner. Amen. Amen. C'est pourquoi on a mis selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si je suis chrétien, j'ai la vie éternelle. Que le bonus vienne ou pas, je gagne la vie éternelle. Que j'ai le bonus ou pas, j'avance avec la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas toutes les fois que tu vas acheter du crédit avec les réseaux de communication pour avoir du bonus. Des fois, ils te disent, en ce temps-là, en cette période de fête, vous avez tel pourcentage de bonus. D'autres fois, tu achètes ce que tu achètes, c'est ce que tu vois. Ça, c'est selon leur volonté. Donc, le chrétien doit aussi comprendre ça. Selon la volonté de Dieu. Parce que ça veut dire tu fais des prières que Dieu décide de ne pas répondre. C'est la vérité. Faut-il abandonner la vie éternelle à cause de ça? Pas du tout. Donc nous sommes venus encourager un chrétien. Pourquoi nous adorons le Christ? C'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas la raison principale, c'est la seule raison. C'est pour la vie éternelle. Et Dieu décide de nous accorder des bonus. Et on ne va pas défier Dieu ou bien se bagarrer avec Dieu parce que nous n'avons pas eu de bonus. L'objectif, c'est de gagner la vie éternelle. Et la vie éternelle vient de Dieu. C'est gratuit.
Fata. Ça ne s'achète pas. On met plein et plein gao. Et où trouvons-nous la vie éternelle? C'est en Jésus. Et la vie éternelle commence quand tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu rejettes Jésus, tu perds la vie éternelle. Mais nous prions que tu ne rejettes pas Jésus. La vie éternelle, c'est un concept à comprendre. Rien ne vaut la vie éternelle. Rien ne peut remplacer la vie éternelle. Quel que soit nos rangs sur la terre, quelles que soient nos richesses sur la terre, c'est une mentalité que nous devons adopter. Nous ne devons jamais oublier la vie éternelle. C'est une vie que nous devons mener. Et cet exposé aussi nous a rappelé à l'ordre les tendances que nous avons renversées aujourd'hui. Et quand vous écoutez les gens, ils suivent Christ pour des miracles, pour des guérisons, pour des percées, pour la bonne vie, pour d'autres autres objectifs. Jésus offre tout cela. Mais l'objectif principal, c'est la vie éternelle. Quand tu auras tout gagné ici-bas, sans la vie éternelle, c'est comme tout est multiplié par zéro. Parce que 1 milliard multiplié par zéro, c'est zéro. Mais quand tu auras gagné seule la vie éternelle ici-bas, sans pour autant gagner quoi que ce soit ici-bas, ah, tu as tout gagné. Mais Jean nous dit, Johannes Blobé, nous avons cette assurance avec la vie éternelle déjà dans notre main. Quand nous prions le Père, il nous accorde ce dont nous avons besoin selon sa volonté. Et je finis en disant, la vie éternelle, c'est la promesse qui nous a été faite. Donc, courons vers la vie éternelle. N'oublions pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Est-ce que tu as toujours la vie éternelle? Quel est ton objectif en adorant le Christ? Pour la guérison seulement. La guérison ne vaut pas la vie éternelle. Pour les miracles, non. Les miracles ne valent pas la vie éternelle. Pour beaucoup d'argent et de promotion, aucune somme d'argent n'est comparable à la vie éternelle. C'est le lieu de recadrer notre objectif. Et si toi tu as déjà rejeté Jésus, en qui nous avons la vie éternelle, reviens maintenant. Prie le Seigneur. La vie éternelle est gratuite. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jeune fille, qu'est-ce que tu poursuis en Jésus? Jeune homme, qu'est-ce que tu poursuis en Christ? La fille là, non, elle ne faut pas la vie éternelle. Prie maintenant. Gagner un boulot, non. La vie éternelle d'abord. Et quand nous avons la vie éternelle, nous avons aussi cette assurance auprès de ce Dieu qui nous a donné la vie éternelle. Si nous demandons quelque chose, il nous écoute et nous possédons la chose dans sa toute volonté. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Tu dois garder la vie éternelle.
Tu dois saisir cette vie éternelle. Aller jusqu'au bout. Elle commence maintenant. Et jusqu'à la perfection. Toi qui as déjà foulé Jésus aux pieds. Répands-toi maintenant. La vie éternelle. Combien d'années passons-nous sur la terre? De gros véhicules. De grandes maisons. Ma renommée. Tout cela ne faut pas la vie éternelle. Quand tu vas mourir, tu vas laisser les voitures. Quand tu vas mourir, tu vas laisser tes objets précieux. Quand tu vas mourir, l'or ne partira pas avec toi. Le diamant ne partira pas avec toi. La vie éternelle. La vie éternelle. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as parlé. La vie éternelle. Nous recadrons notre objectif. Non, pas seulement poursuivre les bonus. Mais aide-nous à marcher avec toi jusqu'au bout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous accueillons le pasteur principal. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La vie éternelle. Amen. Voilà ce qui nous tient en Christ. Amen. Amen. On nous a liés par les liens de la vie éternelle. Et on nous a cloués au ciel. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On nous a liés avec les liens du ciel. Et on nous a cloués au ciel. Peu importe ce qui se passe. Tu dois être éveillé. Afin que ce lien de la vie éternelle ne se coupe pas. Ça fait pitié. Tu vois, certains ne viennent pas à l'église. Si tu leur demandes, ils disent, ah, j'ai prié en vain, mais je n'ai pas la guérison. J'ai déposé mes dossiers ici et là, mais l'emploi n'est pas venu. Mon mari, Soula, ne s'est pas repenti. Il me donne seulement de l'amertume. C'est pourquoi je vais aller chercher ailleurs. Le lien de la vie éternelle ne doit pas se couper. Mais à partir d'aujourd'hui, je vois que notre vision sera différente. Nous avons reçu une guérison. Au nom de Jésus. Le prédicateur l'a bien dit. Ça ne veut pas dire que les autres choses, nous n'avons pas besoin de ces choses. C'est pourquoi Jean a dit, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il le fera. Alléluia. Amen. Il y a les gens de chez nous disent que les gens de chez nous disent que la viande est collée à l'os. Quelle viande? Praise the Lord. Amen. La viande. La chair. Ah, ouais, c'est vrai. La viande. C'est sur l'os qu'on trouve la chair. C'est l'os qui constitue la vie éternelle. Comme il y a l'os, il y aura toujours la chair collée à lui. C'est pourquoi que personne ne soit désespéré. Nous devons savoir ce pourquoi nous courons. Il faut que nous comprenions ces paroles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Dossé qui nous a conduits. Est-ce qu'il y a une question en ligne? Non. Ceux qui sont dans la chapelle, vous avez une question? Est-ce que quelqu'un a une question?
Oui, il y a une question là. Il y a une question. Oui. Alléluia. Amen. Merci pour l'exposé. J'aimerais savoir comment est-ce que nous pouvons avoir la certitude que nous avons la vie éternelle. Ok, pasteur. Merci pour la question, elle est pertinente. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il y a des conditions qu'on a posées. C'est-à-dire recevoir Jésus. Si tu l'as fait sincèrement, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si tu ne l'as pas fait... comme tu ne l'as pas pris comme un amusement ou une blague. Et si tu as réellement confessé Jésus, tu as la vie éternelle. Et il y a un autre point à souligner. La Bible dit, l'Esprit de Dieu aussi nous atteste que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Donc, une fois que le pas est bien posé, c'est-à-dire recevoir Christ, tu as la vie éternelle. Et l'Esprit de Dieu maintenant t'atteste aussi que tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Donc si on est dans le faux, normalement nous savons aussi que nous sommes dans le faux. Parce que le guide c'est la Bible. Alléluia. Amen. Donc la condition qui est bien respectée et l'Esprit de Dieu qui renchérit que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Amen. 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 Merci, pasteur, pour la réponse. Amen. Amen. Et puis, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Elle a un plateau, un mot, tocheoji. Si tu as la vie éternelle et l'Esprit de Dieu te l'atteste, il te conduira dans des vrais chemins. Amen. Amen. Et quand même, agbe ike nyagbe me joaji ne mawa ou ma bateau agbe ma mon Dieu. Les vies qui ne glorifient pas le nom de Dieu, toi tu ne vas plus mener ces gens de vie là. Alléluia. Amen. Et un petit Bible agbe ma vovio là. C'est pour ça que la Bible a dit que les enfants de la vie éternelle marchent dans la sainteté. Si les gens volent, toi aussi tu voles et tu dis que tu as la vie éternelle, ce n'est pas vrai. Les gens sont menteurs, toi aussi tu es menteur. Les gens sont adultères, toi aussi tu es adultère. Toi aussi tu pratiques la fornication. Les gens se querellent, toi aussi tu te querelles. Il n'y a aucune différence. Si toi-même tu te rends compte que tu ne mènes plus des vies anciennes, tu pourras se dire que aujourd'hui je suis devenu une nouvelle chose, donc tu as la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible dit en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les Christos, les choses anciennes sont passées. Et nous amen. Amen. Merci, madame. Akbe, une dernière question. Pourquoi adorer le Christ? Merci. J'aimerais qu'on m'explique davantage la vie éternelle. Selon ce que le pasteur a dit, j'ai pu retenir, entre autres, que la vie éternelle, c'est le règne avec Dieu. C'est le règne de Dieu. Et il y a aussi, on a parlé de la vie éternelle comme le futur des enfants de Dieu. Mais au même moment, le pasteur dit que quand on accepte Christ, on est dans la vie éternelle. J'aimerais comprendre si on vit la vie éternelle ici-bas, sur terre, ou bien c'est après la mort qu'on peut vivre la vie éternelle.
Amen. Selon l'exposé, la vie éternelle commence quand tu donnes ta vie à Jésus. C'est pourquoi nous avions dit, c'est une nouvelle vie que Christ nous donne. Et dans les éléments de réponse de notre papa tout à l'heure, il a parlé de ça, la vie qu'on nous a communiquée. Donc c'est pour faire comprendre que tu ne vas pas vivre n'importe comment ici-bas pour dire à ma mort, je vais rentrer dans la vie éternelle. La vie éternelle commence par la vie que tu mènes déjà ici-bas. Parce que ce n'est pas seulement le futur, on ne va pas seulement projeter ça dans l'avenir. C'est une vie que nous menons. Et quelle est cette vie? La vie des rachetés. La vie de celui qui est changé. Parce qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne vas pas dire j'ai la vie éternelle. Comme notre papa vient de le dire, tu continues pas à voler. Croyant que à ta mort, tu vas régner avec Dieu. Non. Ça commence maintenant. Et nous sommes encore sur terre maintenant. Et tous sur la terre n'ont pas la vie éternelle. C'est pourquoi ce n'est pas pleinement manifesté. Mais nous commençons ici jusqu'à la perfection. Donc la vie éternelle a ces deux aspects, le présent et le futur. Amen. Amen. Merci pour tout l'intérêt. Alléluia. Amen. Parfois, c'est un peu difficile à comprendre à certains niveaux. Et ambassade d'Amérique, ou bien une loterie visa, et il y a une interview l'ambassade d'Amérique et autour visa néa. Et trois Américains, toi, allô? Quelqu'un qui gagne la loterie visa et s'en va à l'ambassade des États-Unis et on met le tampon de l'Amérique sur son passeport, il est devenu automatiquement américain. Bon, d'une certaine manière, hein, parce que elle a fait là au péaton, do une green card, ne do fun quoi green card, on fun quoi maton, on va y interview, on do quoi quoi, et on a son citoyenneté. Bon, ni que n'y a pas visa, les filles quoi. Non, le peu quoi. On te a n'y a pas, mais quand il est pas bon. Amérique, toi, il est pas bon. S'il prend le visa ici, déjà, quand toi même tu le vois, pour savoir que tu vois un Américain. Alléluia. Amen. Il n'a pas encore pris l'avion pour aller en Amérique. Donc, il est Américain. Mais il est Américain. Dès la réception de son visa. Et n'y a Amérique, toi, il est pas bon visa. Et sa destinée. Il est fille qui est au dos taïna. Mais c'est la citoyenneté américaine. Et ce qu'on verra dans le futur. Donc, ça dit, ce qui a commencé aujourd'hui va évoluer et se concrétiser. C'est ça le concept de la vie éternelle. Et puis vous devez avoir cette assurance dès aujourd'hui. Il y a certaines religions. C'est après la mort qu'on doit savoir si on est sauvé ou pas. La religion chrétienne n'est pas comme cela. C'est aujourd'hui même. Quand tu crois en Jésus, la Bible dit tu as la vie éternelle. Qu'est-ce qui a été dit dans la parole de Dieu? Nous n'allons plus perdre de temps pour ça. Mais sachez que là où vous êtes, sur cette terre que vous habitez, Togolais, heureux ou malheureux, Africains, heureux ou malheureux, une fois que tu crois en Jésus,
Européen, américain, malheureux ou heureux. Une fois que tu reçois Christ comme Sauveur et Seigneur, tu as gagné la vie éternelle. Tu es citoyen du ciel. Et tes démarches de chaque jour doivent démontrer que désormais, tu es citoyen du ciel. Et à l'avènement du Seigneur, ce sera rendu universel, public, visible, et pour toute l'éternité. Dieu vous bénisse. Un internaute demande comment savoir si on a l'Esprit Saint. Une très bonne question, mais le temps ne s'y prête plus. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Celui qui arrive à croire en Christ, il doit savoir que cette croix, cette foi, cette démarche est d'abord une preuve de la demeure du Saint-Esprit en lui. Parce que c'est l'Esprit qui nous rend réel la parole de Dieu, qui l'applique à notre vie et qui nous sort de notre perdition. Et cet Esprit en nous, nous conduit à distinguer le bien du mal et à nous attacher au bien. Et si tu constates dans ta vie qu'il y a des changements qui s'opèrent en toi, sache que l'Esprit est bien présent dans ton cœur. Et il faut prier pour que cette puissance, le Saint-Esprit qui est en toi, te conduise à l'épanouissement total et à l'onction pour son service. C'est là où nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc demain, il y a la prière à midi. Et vendredi, nous avons aussi la prière à 12h30. Merci d'avoir été des nôtres pendant cette séance. Levons-nous pour la prière finale. Dieu Tout-Puissant, merci de ta présence, les raisons de notre adoration, la vie éternelle. Bénis ton peuple et scelle cette parole dans nos cœurs et bénis ton église et que les âmes soient sauvées. Mon Dieu, mon roi, agrée ces dons et bénis ton œuvre. Renouvelle les ouvriers au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Governor, deep in God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Governor, deep in God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one. Your name is Jehovah, your name is Elohim, at the mention of your name, every knee must bow, at the mention of your name, every tongue shall confess, you are the covenant keeping God, there is no one like you.